1996, 40 incidents répertoriés au nord et sud Kivu. Des conséquences dévastatrices du génocide sur le Zaïre des dernières années, Mobutu. 1996-1998, première guerre du Congo. Des 138 crimes répertoriés, illustrant le bruit des bottes en caoutchouc et les goûts des évangés. 1998-2000, les 5 cas, les armées étrangères célébraient la guerre sur le sol congolais. Devant l'or et les diamants, les alliés devenaient les ennemis les plus redoutés. 2001-2003, 139 incidents, violation. 25 ans de guerre, d'atrocité et d'impunité suffisent. Nous, enfants de la République démocratique du Congo, regroupés derrière COPACS, réclamons la justice pour une paix durable. Au moment où je vous parle, un rapport est entré de moisir dans les tiroirs d'un bureau à New York. Il a été rédigé à l'issue d'une enquête professionnelle et rigoureuse sur les crimes de guerre et les violations des droits humains. Ne manquez pas l'incontournable, la cérémonie de sortie officielle de l'initiative pour la paix en RDC. Et suivez-nous en direct ce samedi 27 mars entre 19 et 21h30, heure de Kinshasa, sur Marius TV, Tchangou TV, nos chaînes YouTube et Facebook, ainsi que plusieurs chaînes radio de la RDC.